الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلوات الله وسلامه على أفضل من آمن بالله وصلى وصام وزكى وحج واعتمر لله وصلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين العلماء العباد وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم التناد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة فيه تفتح أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتصفد فيه الشياطين مرة الجن ولله فيه ليلة خير من ألف شهر فمن حرم خيرها فقد حرم درس الحديث أوثنتيك Selon Abu Huraira, le messager d'Allah a l'habitude de dire ceci à la venue du Ramadan. Et puis, Ramadan vous est béni, un mois béni. La bénédiction, c'est Allah seul qui le détient, car c'est un bienfait abondant et qui est infini. Et ce bienfait-là, c'est Dieu seul qui l'a. Et il accorde une partie de ce cette bénédiction à certaines de ses créatures parmi celles du mois de Ramadan. Il vous a imposé le jeûne de Ramadan. Ça fait partie de l'un des cinq piliers de l'islam. Rukmi Arkan à l'islam. Les cinq piliers de l'islam, parmi eux, il y a son Ramadan. Durant ce mois, les portes du ciel sont grandement ouvertes. Ça veut dire la miséricorde d'Allah est à la portée de nous. Celle de l'enfer complètement fermé et Dieu enchaîne, il est enchaîné durant ce mois les satans, dans certaines versions les satans rebelles et Dieu a une nuit dans ce mois qui est meilleur que 1000 mois. Quiconque est privé du bien de cette nuit, c'est quelqu'un qui est privé de tout bien, que Dieu nous en garde. Donc c'est vraiment un mois de la miséricorde, du pardon, c'est une aubaine que Dieu nous a accordée afin de pouvoir se rapprocher de lui, mériter sa grâce, mériter son pardon, sa miséricorde. C'est pour cela, dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hurayra, Abi Hurayra radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ihdhuru li al-minbar, falamma hadar, qal amin, 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 salatan, kunna ya Rasulullah, ما سمعنا منك كما سمعنا منك اليوم قال أتاني جبريل فقال بؤدا رغم أنف
رجل رغم أنف رجل أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما فلم يدخلاه الجنة. رغم أنف رجل أدرك أبواه عنده الكبر فلم يدخلاه الجنة. قل آمين. قلت آمين. ورغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. قل آمين. فقلت آمين. ورغم أنف رجل أدرك رمضان أو دخل عليه رمضان فانسلق ولم يغفر له. والعياذ بالله. Dans ce hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit une fois sur la chair, Amin, Amin, trois fois. Les Sahaba lui ont demandé pourquoi vous avez dit trois fois Amin, Amin. Il dit la première fois, j'ai monté d'une marche sur la chair, Jibril est venu me voir et dit qu'il soit banni de la miséricorde d'Allah. Banni de la miséricorde d'Allah, celui qui aura la chance d'avoir ses deux parents âgés sans que ces deux parents-là ne lui permettent de rentrer au paradis. Et la porte la plus facile, la plus rapide, c'est les parents. C'est ça, c'est très important. Donc celui qui a eu cette chance, quand on donne la clé de bonheur à tes parents, la personne qui n'arrive pas vraiment à profiter de cela, c'est vraiment une personne maudite. Il mérite d'être maudit, vraiment. Et on sait très bien que en respectant les parents, en restant bienfaisant envers eux, qu'est-ce que ça nous procure? C'est rien d'autre que le paradis. Il dit qu'il soit banni aussi de la miséricorde d'Allah, celui qu'on t'a évoqué auprès de lui et qui n'a pas prié sur toi. Donc quand tu entends Muhammad, tu dis sallallahu alayhi wa sallam, et quand c'est dit en khutba, on le dit voix mienne, on le dit pas voix haute. Ça c'est très important. Et soit banni aussi de la miséricorde d'Allah, celui qui aura la chance d'atteindre le mois de Ramadan. Et qui Ramadan s'écoule sans que Dieu lui accorde sa miséricorde. C'est vraiment c'est quelqu'un qui est voué à la perdition. Car le mois de Ramadan, ce que Dieu a mis dans le mois de Ramadan comme bienfait, c'est fait d'une façon que tout musulman, tout croyant qui atteindra le mois de Ramadan doit sortir vraiment absous de tous ses péchés. Soit affranchi du feu de l'enfer. Donc c'est très important. C'est pour cela qu'on se demande souvent, quand on est dans le mois de Ramadan, est-ce que les gens sont vraiment conscients de la grandeur, de l'importance de ce mois béni? Je te demande vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment conscients? Ibn Qayyim Jawziyya yaqul inna Allah azza wa jalla fadala bayna khalqihi zamanan wa makanan fa faddala bayna بعد الأمكنة لا بعد وبعد العزمنة لا بعد وفضل شهر رمضان في زمان على سائر الشهور فهو كالشمس بين الكواكب وخصه بخصائص منها فذكر أربع. Il dit que Dieu, quand on regarde, on observe la création d'Allah, on trouvera que le mois de Ramadan a été privilégié. Dieu l'a préféré aux autres mois. C'est comme le soleil parmi les autres. Donc, il dit que Dieu a préféré le mois de Ramadan et l'a doté certains privilèges. Et ce privilège fait qu'il est meilleur que les autres mois. Et ce privilège, il a cité quatre privilèges. Premier privilège, fi hadha shahr laylatun khayrun min alf shahr. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que mille mois. Mille mois. Ça fait dire que celui qui arrive à adorer Allah tout le mois de Ramadan et atteint Laylatul Qadr, c'est comme s'il a vécu 82 années d'adoration intense. Il ne doit pas faire, il fait qu'adorer Allah. Donc c'est très important. Nous prions Allah qu'Allah nous accorde Laylatul Qadr. Donc ça seulement, ne serait que ça, c'était suffisant. De dire que vraiment ce mois béni, on doit tout faire, de redoubler l'ardeur, d'adorer Allah durant ce mois afin de profiter au mieux, au maximum des bienfaits de ce mois. Il dit ce mois, c'est dans ce mois que le meilleur livre céleste a été révélé au meilleur prophète. Chahru Ramadan al-ladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est durant ce mois que le Coran a été révélé. C'est pas seulement le Coran, tous les grands livres ont été révélés au grand prophète durant ce mois. An wa ila ibn al-Ashqaf radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نزلت الصحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان
وأنزلت التوراة لست مرات من شهر رمضان وأنزل الإنجيل لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان وأنزل الزبور لثمانية عشرة مدت من شهر رمضان وأنزل القرآن لأربع وعشرين مدت من وخلت من شهر رمضان dans ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la première nuit du ramadan fit les feuilles d'Abraham furent révélées en première nuit du ramadan c'est la première nuit du ramadan Dieu a révélé les feuilles d'Abraham et sixième nuit il a révélé la Torah et au treizième l'Injil, l'Évangile et au dix-huitième Zabur et vingt-quatrième le Coran. Ça veut dire vraiment, on sait très bien que on célèbre le mois de Ramadan pour cet événement de l'islam. Il représente l'événement de l'islam car c'est durant ce mois que Dieu a révélé le Coran au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est très important de connaître l'importance de ce mois. Il dit aussi c'est un mois durant lequel Dieu a accordé beaucoup de chance aux créatures. Beaucoup de chance. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Iza dakhala awwal laylati min Ramadan suffirat ash-shayatin wa malakatul jinn wa futtihat abu wa khulliqat abwabun nar wa lam yuftah minha babun wa futtihat abwab al-janna wa lam yughlaq minha babun wa lillahi utaqa wa lillahi innahu utaqa wa dhalika fi kulli layla wa fi riwayatin inda kulli fitr. Dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'amana que durant la première nuit du Ramadan, qu'est-ce qui arrive? Tous les satans sont enchaînés, surtout les rebelles parmi eux. Les diables, les rebelles sont enchaînés. Et Dieu ouvre grandement les portes du paradis. Les portes du paradis. Et ferme complètement celles de l'enfer. Celles de l'enfer. Et Dieu affranchit un grand nombre de ses créatures. Et cela chaque nuit. Chaque nuit. Ibn Rajab rahimahullah yaqul kayfa la yafrah mu'min bi fath abwab al-janna wa kayfa la yafrah mudnib bi ghalq abwab al-nar wa kayfa la yafrah aqil bi waqt tusaffar fihi shayatin marrat al-jinn. Et puis comment un croyant ne peut pas se réjouir pour une période durant laquelle on ouvre complètement le paradis. Tout ce que le croyant fait, venir ici prier, on cherche par Jannah, que Dieu nous l'accorde. Donc c'est comme si vous cherchez quelque chose à acheter, on te dit que les portes de ce magasin est fermée. C'est que tu ne peux pas vraiment l'acheter. Donc quand on veut le paradis, on te dit que cette période, vraiment, voici les portes sont grandement ouvertes, ça doit vraiment t'encourager de plus de vrai. Et de comment un croyant ne peut pas se réjouir de cela. Comment quelqu'un qui est fautif, qui a commis des péchés, et si on ne parle pas, quelqu'un qui savoure de ses péchés, non. Quelqu'un qui a commis le péché, il regrette. Il a commis un péché, il regrette. Il ne sait pas comment se faire pardonner. Et il a peur qu'il rentre en enfer. On lui dit alors que l'enfer est fermé. Comment il ne peut pas se réjouir? Il dit, comment un sage, un averti, quelqu'un, un croyant qui est averti, ne peut pas se réjouir d'une période durant laquelle les satans sont enfermés. On sait que les satans, le diable a pris un engagement d'égarer le fils d'Adam. Donc, voici quelques bienfaits du mois de Ramadan qui nous amène, il nous encourage à redoubler l'ardeur dans l'adoration d'Allah. Donc ça c'est très important. C'est pour cela, quiconque a eu la chance d'atteindre le mois de Ramadan en bonne santé, physique, spirituelle, doit remercier Allah. Ça c'est très important car c'est pas tout le monde qui était avec nous l'année dernière qui sont là aujourd'hui. Combien de personnes que nous avons apporté dans leur tombe. Cette semaine même, samedi, nous avons enterré trois corps au cimetière ici. On a prié sur trois corps à SEQ, seulement samedi. Donc, combien de personnes étaient parmi nous et nous les avons apportées dans leur tombe. Si tu te vois en vie, tu dois remercier Allah car tu dois savoir que Dieu t'aime. Dieu t'aime parce qu'il a voulu que tu profites de cette aubaine, que tu profites de ces bienfaits que nous venons de dire. Durant lesquels les satans sont enfermés et enchaînés et les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées. Donc c'est une chance pour chacun de nous. Doit se réjouir
de savoir que vraiment Dieu l'aime. Et avoir une longévité est une chance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on lui a demandé Ayyun nasu khayrun, qala man tala umruhu wa hasuna amalu. Qila ayyun nasu sharrun, qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Oliyaz billah. On demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quel est le meilleur homme sur cette terre? Quel est le meilleur? Ce n'est pas celui qui a plus de voiture, plus d'argent, non. Il dit celui qui a eu la chance d'avoir une longue vie. Une longue vie et avec des bonnes actions. Des bonnes actions. Et la plus mauvaise personne, c'est celui qui a eu la longue vie avec une mauvaise action. Que Dieu nous en garde. Donc, avoir la longévité, c'est une chance. Aulam nu'ammirukum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum an-nadhir. Dans le verset coranique, Dieu même il blâme les mécréants de lui dire nous ne devons pas vous accorder. Est-ce que je ne vous ai pas accordé une vie assez longue pour que celui qui réfléchit réfléchisse? Donc la longue vie, c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man balaga sittina fala adarallahu ila rajulin balaga sittin. Dieu n'a laissé aucune excuse pour une personne qui a atteint 60 ans. Et ça, c'est très important. Donc, avoir une longévité qui te permet d'avoir la chance d'atteindre le mois de Ramadan, c'est une chance, une grande chance. Tu dois vraiment savoir que Dieu t'aime. Car c'est comme si vous ouvrez le robinet, qui sort abondamment, ou vous laissez une goutte d'eau qui tombe là. L'autre une heure, l'autre pour une année. Vous trouverez que goutte d'eau, c'est petit, mais vraiment, quand ça s'accumule, c'est meilleur que l'autre. C'est pour cela, dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, أنت الحد بن عبيد الله قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان وكان أحدهما أكثر اجتهادا من الآخر فاستشهد فمكث الآخر سنة بعده ثم مات فرأيتهم أنا وهم بباب الجنة فخرج خارج فأذن للذي مات منهم الآخر ثم رجع فأذن للذي استشهد Summa qala li irji fa innaka lam ya'ni lak ba'd. Dans ce hadith, Talha ibn Ubaydillah, il parle de deux personnes qui sont converties, ils ont rentré en islam. L'autre était plus assidu dans la religion, était plus actif dans la religion, et il tomba martyr dans l'une des expéditions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'autre resta un an après, mais c'est pas quelqu'un qui était trop, qui est beaucoup assidu comme l'autre. Et il a vu alors les deux personnes, il s'est vu alors avec ces deux personnes à la porte du paradis. Une personne est sortie, il a donné, il demanda, le dernier qui est mort, qui a trouvé la mort entre les deux, et qui n'était pas aussi assidu, de rentrer le premier. Après, il a demandé celui qui est tombé en martyr de rentrer, et il lui a dit lui d'attendre, c'est pas, son tour n'est pas arrivé. Cela lui a étonné. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attendu ça, قال ومن ذلك تعجبون أليس قد مكث بعده سنة وأدرك رمضان وصلى وصام وحج قال نعم بلى قالوا بلى قال فما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسأل يدي que les gens s'étonnent de ça il dit le dernier là qui a trouvé la mort n'a-t-il pas resté après la mort de l'autre un an il dit oui n'a-t-il pas atteint le mois de Ramadan oui Il dit, ce qui est entre eux, la différence entre eux est plus grande de l'espace qui sépare du ciel de la terre. La terre. Pourquoi? Parce que l'autre a eu la chance d'atteindre le mois de Ramadan. L'autre n'a pas eu ça. Malgré qu'il était assidu, qu'il est tombé martyr, mais il resta dans l'islam pour combien de temps? Pour quelques temps seulement. L'autre est resté. Après lui, un an. Durant cette année, il a atteint le mois de Ramadan. Donc il a eu une nuit qui est meilleur que mille mois, plus de 90 années d'adoration. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont morts ou ceux qui sont malades n'ont pas la chance, non. Donc quand on atteint le mois de Ramadan en vie, on doit remercier Allah. Et surtout en bonne santé, en bonne santé. Combien de personnes ont pu atteindre le mois de Ramadan, mais ils sont invalides. Ils ne peuvent pas gêner à cause de la maladie. Donc quand toi, tu as la santé, il faut remercier Allah par cette santé en respectant les règles d'Allah. Ne désobéis pas, car c'est un bienfait que Dieu t'a accordé. Donc c'est très important. Et comme je le dis, que celui qui est malade actuellement, qui n'a pas pu vraiment gêner,
ou celui qui a trouvé la mort, qui n'est pas parmi nous, on ne dit pas qu'ils ne sont pas chanceux. La personne sera malchanceuse si vraiment il n'a pas su profiter au moment où il était en vie, ou au moment où il était en bonne santé. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khamsan, il dit « Profite-toi, profite de cinq choses avant cinq choses. Sihataka, qabla marad, wa hayatik, qabla mautik. » Quand tu es en vie, profite de ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ida marid al-abd, aw safara, kutiba lahu min al-ajr, ma kana ya'amal muqiman sahihan. » Quand une personne tombe malade, ou il va en voyage, on continue à inscrire pour lui la récompense de celui, ce qu'il a l'habitude de faire quand il était en bon portant. Donc c'est très important. Quand tu es vraiment en bonne santé, redouble l'ardeur. Car même si tu tombes malade, Dieu continuera vraiment à écrire ça pour toi. Cette récompense continuera à écrire pour toi. C'est pour cela, quand on se voit vraiment atteint le mois de Ramadan, on doit vraiment se réjouir. C'est une fierté, c'est un privilège que Dieu nous a accordé. C'est une chance que Dieu t'a accordée, c'est une aubaine que Dieu t'a accordée. Profitez-en avant que ce soit trop tard. C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient parmi nous l'année dernière, ils ne sont plus là aujourd'hui. D'autres étaient avec nous, bon portant, mais aujourd'hui, ils sont malades. Il faut aller dans les soins palliatifs, de voir comment les gens vivent. Et toi, tu es bon portant, tu es en santé physique, et spirituelle, c'est très important. On ajoute à cela une troisième chance aussi. Quand on dit la vie, on parle de la santé, santé physique, mais on parle aussi de santé spirituelle. Beaucoup de personnes sont là, ils sont plus nombreux que nous-mêmes, qui ont atteint le mois de Ramadan en bonne santé physique, mais pas en bonne santé spirituelle. Non, pas en bonne santé spirituelle. Celui qui dit guide, celui qui est vraiment guidé. Donc, quand tu te vois vraiment assidu dans la mosquée, durant Ramadan, en bonne santé, remercie le Tout-Puissant, car قلوب العباد بين أسبوعي رحمن يقلبها كيف كيف يشاء. Les cœurs des créatures sont dans les deux doigts du Seigneur, il les balance comme il veut. Donc tu ne peux pas être croyant si Dieu n'a pas voulu. C'est parce que Dieu a voulu que tu sois croyant. Parce que Dieu t'a guidé, c'est pour cela que tu es guidé. Donc tu dois remercier Allah. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est un mois de la miséricorde, du pardon, d'affranchissement du feu de l'enfer. Le croyant doit tout faire d'en profiter. Et ça, c'est très important. De le faire, il faut assainir son intention. Son intention. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actes ne valent que par les intentions et à chacun selon son intention. Et cette intention est l'un des piliers de toute l'adoration, y compris aussi à Saoum. An Hafsat radiallahu anhu, An Hafsat bint Umar radiallahu anha, anhuma, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. Quiconque n'a pas formulé une intention ferme de jeûner avant l'aube, n'a pas de gêne. Ça, c'est très important. Donc, on formule l'intention qu'on gêne. Et cette intention doit être présente chaque nuit. Et mais on n'a pas besoin vraiment de le prononcer. Il y a des nids de savoir de personnes. Quand en quittant chez toi, venant ici, si tu n'avais pas l'intention, du moins ne sera pas accordé pour toi. Et aucun d'entre nous, en quittant chez lui, n'a mis devant le miroir et dit, je m'en vais à telle mosquée pour faire telle chose. Non. Il est impossible qu'un être humain accomplisse une chose sans une intention. Non. Sauf celui vraiment qui est fou, qui n'a pas la raison. Mais on ne peut pas. Soit qu'il veut faire quelque chose, il ne veut pas. Mais il a une intention. Soit une bonne intention ou une mauvaise intention. Donc on n'a pas vraiment besoin de la prononcer. Mais il doit être présent, vraiment. Cela concerne pour qui, par exemple, on peut parler d'une personne qui dit qu'il va en voyage. Et il quitte chez lui, il ne veut pas vraiment gêner. Et après, jusqu'à après l'aube, il va à une certaine distance, il retourne, il veut maintenant gêner parce qu'il n'a rien mangé. Non, on lui dira non, tu ne peux pas. Parce que quand tu n'as pas eu l'intention, tu n'as pas
formuler l'intention à la veille de jeûner. Donc, Inch'Allah, nous allons continuer avec ce kutuba et aussi parler un peu de certaines règles de jeûne. Nous remercions nos frères et sœurs qui ont contribué grandement dans la rénovation de la mosquée. Et nous les remercions beaucoup. Les escaliers, comme nous avons dit, ils l'ont mis de l'autre côté et cette côté aussi, Inch'Allah, ça va être mis. Nous avons vraiment besoin de votre générosité afin d'améliorer cette mosquée. Et Inch'Allah, quand sera fait, nos femmes, c'est très difficile pour eux. Nous allons leur permettre vraiment de rester en haut, car là-bas, il y a les toilettes, tu peux rester là-bas tout seul et en toute liberté. Donc ça va vous aider. Donc quiconque vraiment contribuera dans la rénovation de cette mosquée doit contribuer vraiment dans quelque chose qui est très grand, car ça favorise nos sœurs aussi et nous-mêmes. Et nous avons aujourd'hui matin d'un de nos frères qui sont parmi nous, qui ont eu enfants, dont leurs femmes ont accouché. Et c'est un moment vraiment, au nom de la communauté, de les féliciter pour ce bienfait que Dieu les a accordé. Nous prions que Dieu bénisse leurs enfants et que Dieu fasse de ces enfants la joie de leurs yeux et qu'il leur donne aussi les moyens qu'il faut pour éduquer cet enfant. Et ça, c'est très important de le dire, que avoir un enfant, c'est un bienfait, mais on l'a dit très bien dans le hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Iza qata, iza mat ibn Adam, in qata amaluhu illa min thalathin » صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له si une personne meurt, c'est deux personnes entrant sauf trois choses. Parmi ceux, un enfant vertueux, je le répète encore, un enfant vertueux, c'est pas n'importe quel enfant, un enfant vertueux qui implorera Allah pour lui. Donc d'autres personnes restera derrière un enfant maudit qui nous en garde. Donc c'est très important, c'est maintenant de prendre les précautions. Nous prions vraiment que Dieu apporte les moyens qu'il faut pour éduquer leurs enfants. Et nous avons fait venir, alhamdoulilah, du Maroc, un cheikh qui va présider Salat Traoui. Donc aujourd'hui, il est venu, nous avons son parti le chercher aujourd'hui. Donc Traoui se fait ici à 22h45, on commence Salat Isha. Et aussi, nous organisons ici la rupture du jeûne. Alhamdoulilah, hier nous avons eu plus de 60 personnes, c'était vraiment, alhamdoulilah, c'est quelque chose qui est très bien. Nous encourageons nos frères de venir se joindre à nous pour que nous puissions partager ce repas dans ce moment-là. Vraiment, ce qui donne la saveur, l'importance au mois de Ramadan. C'était un mois vraiment de la miséricorde, du partage, d'entraide et de l'amour. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu rahim. Rabbana kama ballaghtana shahra Ramadan a inna la siyamihi wa qiyamihi. إنا لا صيام قيام يا رب الرحمن الرحيم اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم أهل علينا خلال رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام يا رب الرحمن الرحيم وألف بين قلوبنا واصل ذات بيننا اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا سوء ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم لا يذل ما أعطيت ولا يذل ما أعطيت ذلك الخير كله يا رب الرحمن الرحيم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا باسفائنا واموالنا وذرياتنا ابدا ما ابقيتنا وجهك الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلم انصرنا على ما عادانا اللهم انا نعوذ بك من سوء المنقلب في الاهل والمال والنفس اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك من تحول عافيتك من فجاءة نقمتك من جميع سخطك قوم الى الصلاه يرحمكم الله. Nous allons faire passer nos frères là pour 2 minutes, c'est vraiment important. Soyez généreux, ça demande vraiment ça pour améliorer la mosquée.